سيعقد ندوة صحفية بالمركز الفني لسيدي موسى وسيجيب على العديد من الأسئلة والتساؤلات، كما قلت سابقا خاصة ما تعلق بغياب أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي، وسيتحدث أيضا عن الوافدين الجدد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. On va introduire déjà, rappeler des gens qui nous ont quittés. Allah yarham Redouane Arif, que j'ai eu le plaisir d'aller visiter à Wahran, qui est Toufa, Allah yarhamou, Rachid Dali, c'est un joueur de la GSK internationale que je ne connaissais pas, mais qu'on a appris son décès. Allah yarhamhum, inshallah. Rabbi yatib sabr al aylat. Allah yajib shifa le Shir Zouba, qui a été mon premier entraîneur en équipe nationale, avec M. Kermali, Allah yarhamhum aussi. Allah yajib shifa M. Serbah aussi, que j'ai connu, entraîneur des gardiens de but, et que j'ai connu au Qatar. On va dire que c'est un ami parce que je ne le connais pas autant que ça, mais voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. J'apprécie le personnage, j'apprécie le dévouement qu'il a eu pour son équipe nationale et pour notre pays. Donc Rabbi Jib Shif, Inch'Allah. Et Monsieur Larbi Ben Mimoun Liman Arfouch, mais qui est du Moulid Adoran, c'est ça? Voilà, Allah Yishifihum, Inch'Allah. Voilà, c'est nos anciens, nos prédécesseurs. Et si on peut rappeler toujours, dire un petit mot sur eux, c'est toujours bon. On peut commencer. Salam alaikum, Mouad Nemeroudi, Radio Al-Bahja. Coach, ma première question, ça concerne l'adversaire, le Niger. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Niger? Et ma deuxième question, ça concerne Andy Delors. La non-convocation d'Andy Delors, par rapport à quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer sa décision? Merci. Bon, elle est venue vite, la deuxième question. Camouflée de la première question. Donc, pour Andy Delors, on en parlera à la fin. Il a occupé beaucoup d'émissions chez vous, beaucoup de Hadra Bzef. On en parlera à la fin. On va commencer par ce qui nous intéresse en priorité, à savoir le Niger. Le Niger, c'est une équipe. C'est une équipe, si on se réfère seulement, par exemple, au classement FIFA ou à son passé footballistique, son histoire footballistique, on peut dire que ça ne fait pas partie des grandes nations africaines du football, certes, mais aujourd'hui le football, il n'est pas aussi, on le répète souvent, c'est pas une science exacte, c'est une équipe qui est capable de vous donner franchement du fil à retordre, parce qu'il y a une progression. Il y a une forme de stabilité avec un nouvel entraîneur qui a occupé les fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, M. Cavalli, qui est cohérente un peu dans ce qu'elle propose ces derniers temps. J'ai vu le dernier match contre le Burkina Faso, croyez-moi, jusqu'à la 75e minute, ils ont fait quasi jeu à égal. En tous les cas, en termes de situation de but, ils en ont au moins autant que le Burkina, voire plus. Et c'est juste sur un coup du sort, un penalty, un long ballon. Alors là, une faute d'inattention du défenseur à la 75e minute, où ils encaissent le premier but. Ensuite, 3-4 minutes plus tard, j'imagine un petit peu le relâchement suite à un but encaissé. Ça arrive souvent qu'ils encaissent le deuxième but. Mais ils ont proposé quelque chose de largement cohérent et sont capables de bien défendre, ensemble, d'être regroupés, d'être disciplinés tactiquement. Il y a de la qualité individuelle, il y a deux trois joueurs de vraie qualité, et voilà, aucune équipe n'est prête à la légère. C'est les qualifications Coupe du Monde à la Benabli, à chaque fois, à chaque match il y a à son lot de surprises. J'ai pris comme exemple auprès des joueurs, on a commencé à
un peu à situer un peu ce genre de match, ce genre de confrontation pour être sûr qu'on prend les choses par le bon bout. Mais par exemple, qui aurait dit qu'une équipe comme Sheriff contre le Real Madrid puisse battre le Real Madrid chez elle en Ligue des Champions? Très peu de probabilités. Il y en a plein des matchs comme ça. C'est le dernier match un peu comme ça qui a été aussi flagrant. C'était incroyable. Mais bon, dans le football, c'est comme ça. Tout est possible. Donc on est largement averti. On va avoir une équipe en face qui va nous donner beaucoup de difficultés et qui est capable aussi de bien contrer, qui a de la vitesse, qui a de la qualité individuelle, qui a des caractéristiques qu'on connaît et qui peuvent nous faire du tort si on ne fait pas attention. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, Bdran, le coach national, bonjour à Zulflaouen. Comme d'habitude, coach, je vais commencer toujours par les mauvaises choses parce qu'il y en a. Donc, moi qui ai suivi la rencontre de l'équipe nationale face au Burkina Faso lors de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar, on a remarqué certaines choses. Donc, d'où ma question. Il aura fallu d'un match nul positif face au Burkina Faso pour que certaines forces du mal sortent leur venin sur le sélectionneur national. Déjà, ça a commencé durant la retransmission du match par la télévision publique, où le commentateur ne s'est pas empêché de vous reprocher à maintes reprises. Il a répété 5 fois ou 6 fois le fait que vous ayez refusé à ce que des journalistes accompagnent la délégation des Verts dans l'avion. Comment avez-vous réagi à cette campagne qui ne dit pas son nom? Et est-ce que vous ne pensez-vous pas que c'est une campagne où Belmadi est attendu au moindre tournant? Merci. Bon, on pourrait parler... On pourrait parler du match du Burkina Faso. Si vous permettez, on va parler de ce match-là, et puis on va parler de ce qu'il y a, entre guillemets, des conséquences de ce match-là, notamment tous les faits que vous citiez. Moi, ce match du Burkina Faso, on est sortis tous avec évidemment beaucoup de frustration. On nourri beaucoup d'ambition en allant là-bas au Maroc, jouer contre cette équipe et revenir avec les 3 points. C'est toujours l'objectif de cette équipe-là. On a créé cet état d'esprit chez cette équipe, qui est de toujours aller en conquérant et avec toujours l'objectif de gagner. Malheureusement, dans le football, ça n'arrive pas tous les jours. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Il y a aussi un adversaire en face qui propose certaines choses, qui a aussi des atouts. C'est un rapport de force qui s'opère. Nous, on a donné ce qu'on a pu, notamment sur cette première mi-temps qui a été pour moi... Je ne vais pas dire excellente, mais qui a été une très bonne première mi-temps où le match aurait pu quasiment être plié. On a eu les situations pour, à part deux sorties de balles chez eux, du style contre-attaque ou attaque rapide, on n'a pas été tellement en danger que ça. Le joueur phare de cette équipe, Lassina Traoré, qui est un très très bon joueur, qui joue au Shakhtar Donetsk, qui est à l'Ajax Amsterdam, un peu le joueur emblématique et le joueur dangereux de cette équipe-là, n'a pas pu s'exprimer. Donc les choses avaient été assez bien contrôlées. Et je vous dis, on sent un match qui aurait pu basculer sur un tout autre résultat, une toute autre physionomie, si on avait été plus chirurgical, plus tueur, appelez ça comme vous voulez, plus réaliste. Donc voilà. Après, il y a une deuxième mi-temps très poussive, je l'accorde très largement. On va dire pendant 20 minutes, 25 minutes, qui est très long, c'est plus ou moins ça. Ça a été notre temps faible, notre vrai temps faible. Il y en a dans le match. L'objectif de chaque équipe, c'est de réduire justement ces temps faibles. Toutes les équipes au monde passent par là. C'est très difficile de dominer un match du bout à bout. Nous, on a eu ce temps faible qui a été trop long. C'était trop loin à mon goût, qui a donné ce but-là, qui a mis l'équipe un petit peu, qui a fragilisé un peu certaines choses qu'on avait préparées. On est un petit peu moins serein. Et puis une reprise des choses sur le dernier quart d'heure où on a repris un peu le, le, le,
comment dire, le contrôle du jeu, où j'ai une séquence, on a plus de, je crois, plus de 2 minutes de possession. Je vais dire, après, vous me direz, ouais, mais peut-être stérile. Ouais, on avait une équipe sur ce dernier quart d'heure qui était très regroupée, difficile de trouver les espaces, difficile de trouver les intervalles. On les a trouvés, on a eu 2-3 situations. On aurait pu. Il me semble qu'il y a un pénalty qui est assez évident sur Riyad. Ils en ont eu un 4-5 jours plus tôt qui était pas aussi évident que celui-là. C'était un pénalty, je l'ai revu plusieurs fois. Je parle du match Niger-Burkina. Dans l'ensemble, évidemment, le résultat ne satisfait pas. Tant mieux. Alhamdoulilah, fut un temps aller faire un match de qualification de Coupe du Monde à l'extérieur et revenir avec un point, avec gagner tous les matchs à domicile. C'est un peu le parcours d'une équipe qui va en Coupe du Monde. Maintenant, nous, ça ne nous satisfait pas. Tant mieux. Je prends très largement la responsabilité de ce résultat-là. Pas pour faire le gars qui protège ses joueurs ou quoi. Bon, ça, c'est de facto, c'est établi. C'est moi qui décide des plans de jeu. C'est moi qui décide de ceux qui démarrent, de ceux qui entrent en jeu. Donc, je prends cette responsabilité. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu être... on va dire, plus éclairé. Donc, voilà. Ce n'est qu'un deuxième match. Certes important, mais bon, on aurait gagné ce match-là. Ça ne nous aurait pas pour autant garanti de finir premier de ce groupe, parce qu'il y aurait encore un match retour. Mais de toute manière, maintenant, c'est match après match. Je vous dis, on a ce match du Niger, pour ceux qui pensent que ça va être facile. Il y a dans l'histoire, si on veut un petit peu comparer à cette histoire où on est venu à domicile jouer le Niger, je pense que dans les années 80, je m'intéresse un petit peu à ça. De toute manière, à partir du moment où on jouait contre le Niger, on a eu beaucoup d'informations. Je ne dis pas que j'ai été fouiné jusque dans les années 80, c'est plutôt venu à moi. On avait gagné 4-0 aussi en Algérie, je ne sais plus c'était où, c'était Alger ou c'était Constantine. Et on avait été perdu là-bas, on a perdu 1-0 là-bas au Niger. Donc on sait très bien que tous ces matchs sont difficiles et il faut se préparer. Donc on a analysé très bien cette rencontre du Burkina, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Et voilà, donc l'équipe a envie évidemment de réagir, a envie d'exister dans ses qualifications, de se qualifier tout simplement. Voilà, on regarde vers l'avant, on repart, on rebosse. On a rebossé, je vois des joueurs bien déterminés. Qui sont prêts à aller au combat et aller chercher ces 3 points déjà dans ce premier match. On en reparlera pour le deuxième match. Voilà. Après tout ce qui a découlé, je pense que c'est la partie importante de votre question, ce qui a découlé de ce match-là. Mais c'était bien avant ce match-là déjà. Et avant ce match-là, il y avait déjà eu des. On a voulu nier que le terrain n'était pas bon, que le terrain était plutôt praticable. Je parle du match contre le Djibouti à domicile. Bref, on a atteint tel niveau des fois de allez, trouver le mot, de choses un peu comme ça, de non-sens, de coups bas, de choses comme ça que je fais plus attention. Je suis tellement focalisé sur cette qualification à la Coupe du Monde que voilà. On a déjà dur à faire, à se battre à l'extérieur du pays avec tout ce que vous savez dans cette campagne de qualification que vous savez très bien que si à l'intérieur du pays on n'arrive pas à trouver cette solidarité, cette union, c'est pas grave. Notre travail, c'est tout ce qui m'intéresse. Bonjour à tous, Saïd Flak, journaliste à Canal Algérie. Juste une petite précision à mon collègue et confrère aussi, surtout, et au coach notamment. Étant journaliste à la télévision publique, je peux vous assurer, en tout cas, qu'on est derrière l'équipe nationale, derrière le sélectionneur national, et il n'y a aucune campagne de déstabilisation qui vise la sélection nationale, juste une précision donc. Et j'aurais 2 petites questions concernant la liste, coach. Concernant les blessés, vous avez fait appel aux joueurs qui reviennent de blessures, à l'image de Slimani, Belamri et Ben Sebaini. Est-ce que ces joueurs seront déjà aptes pour les 2 matchs? Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de les appeler quand on sait qu'ils reviennent de blessures? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Et deuxième petite question rapidement.
concernant la convocation de Kebel et Amouara, justement. Là aussi, qu'est-ce qui a motivé votre choix de les convoquer? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette sélection? Merci. Ok. Donc, pour ces joueurs qui étaient dans une situation de joueurs indisponibles en club, ne l'est pas obligatoirement pour ce qui est de la sélection nationale. Normalement, Islam est disponible pour ce match. Djamel, si on voulait prendre un petit risque, ce qui peut-être vaudrait le coup quand il s'agit de qualification de Coupe du Monde, on pourrait le faire jouer, mais ce ne sera sûrement pas le cas pour ce premier match, je veux dire. Donc, à partir du moment où on peut faire jouer Islam, à partir du moment où on peut faire jouer Djamel, Rami peut-être pas. Ça reste chaque jour suffit à sa peine et chaque jour nous donnerons des réponses quant à ça. Je veux dire par là que donc ils vont être ces gens-là vont être sûrement disponibles, peut-être pas les trois, mais au moins deux de ces trois-là. Après, l'incompréhension quand on dit des joueurs blessés, comment se fait qu'ils les convoquent? S'ils sont blessés et qu'ils peuvent pas jouer, je les convoque pas de manière très logique. Je suis pas fou. Ils viennent pas faire ici acte de présence ou juste, je sais pas, apporter un peu de. On a souvent cité ce mot ambiance ou j'en sais rien. Je suis pas fou. J'ai des éléments que vous n'avez pas. J'en suis en contact avec eux quotidiennement. Donc c'est vrai que vous avez besoin de vendre du papier, que vous avez besoin de dire les choses, que vous avez besoin de dire comment il ramène des joueurs blessés, alors que comment il va faire, qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens si c'est réellement le cas, mais c'est pas le cas. Et on est en qualification de Coupe du Monde. On n'a pas un réservoir de 1000 joueurs. On a des joueurs comme ceux que vous venez de citer qui sont de valeur sûre. On se doit jusqu'à la dernière minute de mettre toutes les chances de notre côté. On n'est pas là. On aurait été dans des circonstances, par exemple, de matchs qu'on appelle, ce que vous appelez des matchs amicaux, je dirais des matchs de préparation. Ça aurait peut-être été une autre réflexion. Mais on est dans des matchs de qualification de Coupe du Monde avec des joueurs importants de cette équipe-là. Donc, c'est une autre manière de réfléchir. Deuxième question. Alors, Amoura Kebal, donc, s'ils sont là, c'est qu'ils étaient dans une liste élargie. Il faut comprendre la loi. Et je vais vous donner cette information pour ceux qui ne savent pas. Peut-être que ça fera réfléchir avant de s'exprimer. Certains, peut-être qu'ils ne connaissent pas, c'est que 15 jours minimum avant la date FIFA, nous devons envoyer une liste élargie. Si ces joueurs ne figurent pas dans cette liste élargie, le jour de la convocation, s'ils n'avaient pas été mentionnés sur cette liste élargie, les clubs ont le droit de ne pas les libérer. Donc ces joueurs-là étaient évidemment dans une liste élargie. Quoique pour Amoura, pour être très honnête, pour Amoura, non. Amoura, ça a été une discussion avec le club. Si le club veut bien libérer le joueur, ça c'est une discussion de fédération à club. Mais pour Ilan Kebal, ça fait un moment qu'on suit. Bon, on va parler joueur par joueur, on ne va pas les mettre les deux dans le même s'ils ne sont pas très grands et trucs, on va prendre les dissocier quand même. C'est deux joueurs différents. Ilan, ça fait depuis ce début de saison, on mentirait de dire qu'on le suit depuis très longtemps. Il a eu un début de carrière un petit peu. Je ne vais pas dire chaotique, mais fait de près, de ci, de là, d'un niveau bas à remonter là-haut, c'est tout à son mérite. Aujourd'hui, il est quasiment titulaire en Ligue 1. Donc, c'est un joueur qu'on suit depuis le début du championnat, qui est un petit peu comme ça, éclaboussé et de son talent, un petit peu l'écran. On l'a suivi un petit peu. Je vais être très honnête, je ne pense pas qu'il aurait été là maintenant, parce que j'ai besoin de plus d'assurance, j'ai besoin de plus de matchs. Il ne suffit pas de me faire 2-3 rencontres comme ça et puis peut-être disparaître pour aller en équipe nationale. Je pense qu'il faut plus que ça. J'ai une plus haute estime que certains de cette équipe nationale et des critères qu'il faut pour la rejoindre. S'il n'y avait pas eu la blessure d'Adem Mounas, peut-être qu'Ilan ne serait pas là aujourd'hui. Mais il était dans cette liste élargie, ça veut dire qu'on est derrière lui, ça veut dire qu'on suit le joueur. Il a eu ce mérite en plus, et j'apprécie ça, de venir dans les catégories de jeunes de l'équipe nationale d'Algérie, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, le malheur des uns peut-être fait le bonheur des autres, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de le voir fouler la pelouse, ici ou au Niger, peut-être que pas.
Mais en tous les cas, voilà, content d'avoir la possibilité de voir ce joueur-là au milieu du groupe et voir comment il se comporte dans les conditions que sont les nôtres. Après, pour Mohamed Amoura, pareil, c'est un joueur qui a performé depuis le début de saison dernière, depuis le début de saison dernière, qu'il avait vraiment, je pense que même chez vous, ça a été quand même une surprise cette année. Donc il a montré un peu les qualités qu'il avait. Il a marqué pas mal de buts. Il a été performant avec l'Entente de Sétif. Et j'arrivais. Donc évidemment avec Majid, les 4 buts contre le Libéria, c'est ça. Voilà. Donc il a été transféré à Lugano. Jamais facile pour un joueur qui vient comme ça, qui a toute sa vie vécu en Algérie, puis d'aller en Europe. Il est déjà assez performant. Lors du dernier match, il a fait la différence sur le dernier match en marquant un but, en offrant un penalty. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont là, on observe, ils rentrent dans le groupe, on les voit au milieu de... Très très important ça de venir et d'un peu de se jauger, puis d'être au milieu du groupe et savoir un peu quelle position ils peuvent occuper. Donc voilà, c'est des joueurs, je pense, ce sera eux, hein, ils ont beau être jeunes. Moi, c'est t'es jeune, t'es vieux, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que t'es capable de donner à cette équipe nationale. Donc, ils sont jugés avec les mêmes critères que soit Bardad ou que ce soit le plus jeune ou Adem. Voilà. Donc, c'est la même chose pour moi. À partir du moment où ils sont dans ce groupe d'équipe nationale, on a peut-être un peu plus d'indulgence, c'est normal. Mais voilà, c'est des joueurs, je pense, qui vont apporter ce 109. Ça sera à eux de le démontrer. De ses qualités, récompense de ses matchs. On l'avait dit, je veux dire, nous on a cette fâcheuse habitude quand un joueur il fait 2 matchs de dire ah, c'est le nouveau joueur. J'ai des noms comme ça en tête dont on ne parle même plus, peut-être pas des attaquants, peut-être des défenseurs du championnat algérien qu'on avait balancé comme ça, insisté à fond pour faire sa promotion. Je ne sais pas si c'est toujours très très honnête ou je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais en tout cas, on n'en peut plus parler. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, pour ce qui est des listes, je me fie à mon œil, parce que quand vous, peut-être, quand je dis vous, toute la presse en général, ou la presse parallèle, une presse parallèle aussi aujourd'hui qui a son importance, quand eux, ils écrivent un truc, ou quand eux, ils voient de très loin, ou quand ils ont d'autres... une réflexion qui n'est pas toujours celle qui tend vers l'aspect technique et tout ça, moi, je suis quotidiennement en train de suivre tout le monde. Donc c'est pas les mêmes trucs, c'est pas la même perception des choses. Ammar, Mido et la demoiselle. Monsieur Belmadi, bonjour. Monsieur Belmadi, je voudrais revenir sur 2 aspects à travers votre première déclaration. Et vous avez raison d'insister sur le fait que chaque match ne ressemble pas à un autre. Vous avez cité le match du Real, oui, face à une petite équipe que personne n'attendait, et c'était sa 2e victoire. Et vous avez pris le match de 1980, Algérie-Niger, où l'Algérie avait été battue 1-0 avec une grande équipe d'Algérie qui avait été alignée, qui était sur une dynamique de victoire. Et vous, je vais lier 2 choses. Hein. Vous avez parlé également du gazon de Blida. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le détail se cache en le diable. Et chaque chose a son importance. Alors, je vais aller tout droit à la question. Vous avez... tout à fait raison de faire très attention parce que chaque match, et vous le préparez depuis que vous êtes à la tête de l'équipe nationale, et on sait d'où vient l'équipe nationale en termes de résultats et où elle est aujourd'hui à tel niveau. C'est l'équipe qu'il faut battre sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, peut-être que les victoires ont fait que beaucoup ont oublié qu'on a pris un point contre le Niger, qu'on n'a pas été battu par le Niger. Le Burkina, pardon. Et que le Niger... n'est pas un petit adversaire et qu'on va juste se balader après le 8-0 contre Djibouti. La question est la suivante. Dans une équipe, il arrive, et c'est la 2e mi-temps, je vais insister sur cette 2e mi-temps, qu'une équipe ait un coup de moins bien, comme vous dites, un passage à vide. Moi, ce passage à vide, comment est-ce que vous allez l'utiliser, justement, dans la perspective du match contre le Niger, sans aller dans le détail, bien évidemment. Merci. Voilà, c'est ça ma question. Ok. Bah, c'est une bonne question. C'est tout le travail. Bon, Khadran est là. Il va falloir quand même le faire travailler un petit peu. Il participe un peu à notre réunion.
C'est tout le travail que l'on met en place. Pour être très honnête, on a bien analysé cette rencontre contre le Burkina. Toujours, le temps est tellement court que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire sur chaque chose, sur les séances d'entraînement, sur chaque meeting que l'on a, sur chaque séance vidéo, et Dieu seul sait qu'on en a pas mal, tout ce qu'on fait doit toujours tendre vers le match qui arrive. Alors là, notamment le match du Niger. Donc tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, par exemple, on a fait l'analyse du match du Burkina, c'est pas une analyse pour faire une analyse, c'est une analyse pour sortir avec des enseignements, pas des enseignements pour l'année prochaine, des enseignements pour le match du Niger. Donc c'est exactement, ça répond directement à ta question, Mamar. Après, rentrer en détail, ce ne serait pas judicieux, je pense, devant un entraîneur de surcroît français qui comprend notre langue et le français, la langue dans laquelle on s'exprime. Je ne pense pas que ce serait judicieux d'aller lui démontrer choses. Je pense qu'il nous a analysé aussi. Il a pas mal d'enseignements. Donc nous, on analyse ça. On sait les choses qu'on ne veut plus faire. On sait les choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est simplement le travail. Tout ne peut pas être parfait, c'est sûr. On a tous en travers dans la gorge cette deuxième mi-temps. Alors je vais être plus précis, moi. Moi, je ne balance pas comme ça. On n'est pas dans un... J'ai un grossiste, on prend tout, on ne doit comme ça dire « Oh, c'est un mauvais match ». Non, ce n'est pas un mauvais match. Analyse bien, regarde bien, et tu vas voir que ce n'est pas un mauvais match. Regarde cette première mi-temps, tu vas voir que ce n'est pas un mauvais match. Regarde les 15 dernières minutes, tu vas voir, ou 15-20 dernières minutes, ce qui n'est pas assez. Hein. Ce qui n'est pas assez, qu'on s'entende bien. Ce n'est pas un mauvais match. On a 20-25 minutes où il y a un vrai passage à vide, c'est vrai. On a analysé ça, on ne veut plus reproduire certaines choses. Et voilà, et c'est le boulot qui continue. Les gars sont très réceptifs. On a dû montrer les clips, montrer les situations. Ça fait mal quand on les voit, mais c'est bien que ça fasse mal et c'est bien que l'on puisse réfléchir à tout ça, voir tout ça et puis ne plus reproduire certaines erreurs. Voilà. Assalamu alaykoum, coach Belkbir Nourdine, Hedef TV. سؤال أول لعبد القادر بالمنتخب الوطني شفناك مباراة موريتانيا لما نلت الفرصة قدمت مباراة في المستوى هل اليوم عبد القادر بدران جاهز لأخذ مكانه في المنتخب الوطني في حال اعتماد عليك في حال غياب جمال بالعمري هذا سؤال عبد القادر بدران سؤال ثاني عفوا سي بور لو سيليكسيونور ناسيونال اسكو فوز ات ساتيسفي دو ليطات بيلوس دو ستاد مصطفى تشاكر في لا ديرنيير سونس دونترينمون ديال اي ميرسي. بون السلام عليكم. حاجة الأولى ماتش تاع موريتانيا كان ماتش أميكال اللي كان كوتش حب يشوف دي جوار كما قلت كنت دايما نجي لي ستاج دايما نكون حاضر بيان سور حاجة نتشرف بها أنا لا كونفيونس تاع الكوتش كان عندي فرصة ماشي رسمية إلا كانت كاينة فرصة رسمية إن شاء الله في قادم الأيام سواء الماتش تاع النيجر ولا سواء نامبورت ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند ولا حتى ماتش ما على باليش حاضر باش نقدم كل شيء باش 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 نمد صورة على عليا أنا وعلى على الكاباسيتي اللي نقدر نمدهم ولا اللي حاجات اللي نقدر نمدهم ليكيب ناسيونال نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن الكوتش حاجة الأولى اللي دائما داير فيها ثقة ونتشرف بها وحاجة ثانية مادام تجي ليكيب ناسيونال يفو دون افون باش دائما تكون باش حنا هادو اللي راهم هنا ديجا سيليكسيوني مير جوار تاع الجيري نتمنى دائما نكونوا في ليكيب ناسيونال باش نقدموا الإضافة ماشي باش نجيو هكا برك ان شاء الله تكون عندنا فرصه سواء انا سواء جوار واحد اخر ليسونسيال ليكيب ناسيونال دائما تربح دائما نكونوا بيان سواء ريزولتا سواء روندمون انديفيديال تاع لي جوار. On va faire mieux puisque c'est les joueurs qui jouent et qui sont sur le terrain, il va vous dire ce qu'il en pense de la pelouse de chacun. هذا لو قول صراحه على بالي من البليده انا ولايتي مش اقول صراحه والله فيريتي كنت نستنى فيه بون الخطره اللي فاتت الناس كامل شافت ليطا ما
mais ma kunnach nsnaw f deuxième stage li ndiou nzino c'est bo hakek en tout cas ma adna chhal wahed akhar hna adna terrain lazem nlabou fih malgré c'est difficile parce qu'il y a des joueurs qui ma taarfou kamel ni labou f f des terrains ma kach kifach même hna tchouf Jaker ana depuis j'étais jeune n'entraîné f Jaker كنت صغير نلعب في بليدا جامي الا كانت ليطا هكا دايره ما باليش ان توكا لازم نتادابتاو مع الوضعيه هذه كاش حل واحد اخر الحمد لله سيتي با بريباري ما تفهمناش عليها خلاص السلام عليكم كوتش زهراريه جريده المغرب الاوسط ينفو مكان السؤال الأول حول حظوظ المنتخب الوطني في تجاوز مرحلة التصفيات وبلوغ المونديال في ظل تجاوزات تسيير الحكام لمباريات الخضر. السؤال الثاني ما هو تعليقك حول غياب لاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن 21 في القارة الإفريقية؟ وشكرا. ما هو تعليقك حول غياب لاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن 21 في القارة الإفريقية؟ Ah, ça, j'étais pas au courant. La première, c'est par rapport aux arbitres. C'est moi. On a hâte à la Kulchi déjà. Hâte à la Malab. Il s'est passé ce qui s'est passé à la télé nationale. Hâte à la Hukem. Khalas. Terminé. Mais dans les chaînes, on a dit qu'on a dit l'équipe nationale, mais j'étais à Jamel Belmadi. Je suis partie intégrante de cette équipe, au même titre que les joueurs, peut-être qu'une fédération, même titre Gannes. Et surtout quand il s'agit des Tassifiat Kassel Alem, on est tous concernés. Khalas, maintenant, je n'ai pas de choses, 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 tous ceux qui entourent l'équipe nationale. Même vous, vous avez un devoir de parler des choses qui vont pas, des choses qui truc, et de faire réagir ceux qui sont concernés, de mettre s'il le faut la pression sur tout ce que vient de dire, par exemple l'arbitrage. J'ai plus envie de parler de ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis pas là pour répéter. Et croyez-moi que ça me plaît pas de parler des terrains. Croyez-moi que ça me plaît pas de parler des arbitres. Je préfère parler du jeu. Je préfère parler des joueurs. Je préfère parler des matchs plutôt que de parler de tout ça. Il s'avère que tout cela est partie intégrante justement du match et du jeu et tout ça. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Moi, je suis juste un simple entraîneur et de ma position, je ne peux pas faire plus. Donc pour la CAF, c'est ça ? L'équipe du siècle, la CAF. Qu'est-ce que vous dites ? Un sondage. Ouais. C'est eux qui décident. Humali Arfo. هما اللي يسيروا هما اللي يديروا كل شيء السلام عليكم عبد الرحمن علاك لعدسة سبور بما أنكم قلتوا أن نحن كصحافة عندنا دور في المنتخب الوطني من واجبنا نحكو على نعود نهاية الشهر الماضي وإن كان تغيير متكرر لموعد لقاء الإياب أمام منتخب النيجر هل هذا التغيير أثر على تركيز الناخب الوطني وأخلط حساباته شكرا التغيير كاين شونجمون تغيير موعد اللقاء لور وي اي دونك سي كوا كيسيون هل اثر دخلها في كل هاد الصوالح اللي رانا نهضروا سي ان انسامبل انا ماشي باغي نهضر على هاد الصوالح صايي خلاص ماشي عييت بصح كونت اون ا با لا بوسيبيليتي دو دانترفينير او تبدل صوالح ولا تغير صوالح ولا ساي خلاص ما تضيع ما مش بيغ با مون انرجي لاتسو كاين ناس ما يشي با تو سول ليكيب ناسيونال ماشي تاعي انا شي جو سامبل انترينور دونك سي اون فوا صح اون فوا كي ميز ان افون بصح ماشي ما عنديش جي با لو ما عنديش القوه بان نغير صوالح كاين الناس اللي كل واحد يدي مسؤوليته هذا ما كان السلام عليكم نازيم بسول بوطولا deux questions. Vous avez parlé le mois précédent de la période délicate. On ne sait pas où sont vraiment les joueurs. On a vu ensuite la deuxième mi-temps face au Burkina. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette période-là, justement ?
Et comment aujourd'hui vous avez récupéré un mois les joueurs? Un mois après, comment vous les avez récupérés? Est-ce qu'ils sont plus en jambes? Comment vous les avez trouvés? La deuxième question concerne le volet extrasportif. On a vu que durant la semaine, la fédération a connu, on va dire, une petite crise peut-être. Est-ce que ça impacte l'équipe nationale? Et le volet financier, est-ce que vous le ressentez, vous? Parce qu'on parle de problèmes de trésorerie au niveau de la FAF pour la préparation de l'équipe nationale, est-ce que vous l'avez ressenti? Pour ce qui est de la première question, c'est une des raisons, j'ai pas envie de... Je veux surtout pas qu'on ait l'impression que je me justifie quant à cette deuxième mi-temps ou cette partie de deuxième mi-temps. Je vous l'accorde, cette deuxième mi-temps entière, comme ça on reste pas sur une discussion minimaliste. Cette deuxième mi-temps où on est passé plus ou moins à côté. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est celle-là. Vous me direz que le Burkina eux-mêmes sont dans cette configuration, à savoir des matchs de début de saison. Après, faut savoir les joueurs qui composent cette équipe, la préparation qu'ils ont pu effectuer. Au mois de juin, j'avais eu une discussion juste après le match de la Tunisie, avant de se séparer, leur dire que voilà, qu'il fallait faire une préparation d'avant-saison de qualité, parce que le mois de septembre va arriver très tôt. Et ces qualifications de Coupe du Monde, qu'il fallait vite trouver ceux qui étaient dans des situations plus ou moins ambiguës ou difficiles par rapport à leur club, vite trouver leur point de chute et vite se mettre dans du travail, parce qu'on n'a pas de match au mois d'octobre ou novembre, ça venait tout de suite au mois de septembre, donc il fallait être tout de suite prêt, ce qui n'a pas été le cas pour une partie de certains joueurs. Nous n'avons pas, il faut le savoir, l'effectif ou le réservoir le plus large au monde. Mais je dirais même personne là. Mais bon, nous, on a des fois, on a l'impression, dans tous les commentaires et tous ceux qui commentent un petit peu l'activité de l'équipe nationale, qu'on a un réservoir de 50 joueurs. Ce n'est pas le cas. Il faut être très, très clair là-dessus. Donc, et on balance, on ne prend pas des noms comme ça. Il y a une cohérence dans le travail. Il y a une forme de... On n'est pas dans FIFA... comment on appelle ça? Football Manager. Là, ce n'est pas ça qu'on gère. Là, c'est autre chose. Football Manager, tu es derrière un écran, chaussettes trouées, sandwich au cashier, et tu achètes et tu vends. Là, c'est pas ça. Nous, l'équipe nationale, ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là où tu es, c'est pas comme ça qu'on a bossé. C'est pas Jibheda, mets-le là-dedans. C'est quoi? C'est une salade mexicaine, cette histoire? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une évolution dans les choses, il y a du travail, il y a une planification, il y a mille et une choses. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui, pas faire un cours de management ou de coaching. Ce serait intéressant d'en parler avec ceux, de faire des réunions avec plein de coachs et puis de parler de tout ça. Ça a été plusieurs fois proposé. Et là, chacun donnerait son avis et comment gérer un groupe. Mais en tous les cas, pas du tout comme certains croient. Je ne sais même pas s'ils savent courir et ils viennent nous donner des leçons de comment gérer un groupe. Donc, c'est vrai que c'était, en l'occurrence, c'était une petite parenthèse. Hein. C'est une petite parenthèse, mais qui peut répondre aussi d'une certaine manière à ta question. On n'était peut-être pas tous dans un état de forme qu'il fallait. On n'était peut-être pas tous prêts sur le match. On arrivait dans un pays où il faisait 36 degrés. On nous a mis... on aurait pu jouer à Rabat, on a déjà fait jouer à Marrakech. Je sais pas, le Burkina avait joué 6 jours ou 5 jours plus tôt à Marrakech. Donc peut-être déjà une acclimatation. Ouais, mais il fallait y aller plus tôt. Mais y aller plus tôt, il faut au minimum 4 jours pour s'acclimater un truc. Donc 4 jours plus tôt, on était à Alger en train de jouer contre Djibouti. Donc, voilà, tout ça, c'est des éléments. Mais je vous dis, j'ai surtout pas envie de montrer une certaine forme de me déresponsabiliser de tout ça. Les éléments, je les connais. Le plus important, c'est que je les connais. Nous les connaissons, on réagit en conséquence et on avance. Après, se justifier, ça ne sert pas à grand-chose. Et la deuxième question, c'est les... Ça répond à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. « Kulwa hadi demus ulito » et nous, on avance. C'est parce qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de le faire et ça nourrirait plus de polémiques. C'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Boudaran, coach, monsieur chargé de com, Yassine Nazrini des Z News. Alors coach, vous avez parlé tout à l'heure d'une liste élargie. Alors est-ce qu'on a vu récemment l'absence d'un cadre
qui est, il s'agit-il de Yassine Brahimi. Est-ce que Yassine Brahimi, par exemple, figure toujours dans vos plans d'avenir? Donc dans la liste élargie. Exactement. Oui. Pour la deuxième question, on vous connaît toujours que vous êtes un homme de défi. Alors, est-ce que la défaite de l'Italie hier, qui a mis fin à une série d'invincibilités, vous encourage à relever un autre défi qui est battre un nouveau record mondial d'une série d'invincibilités? Merci. Le vrai défi, qu'on ne se trompe pas d'objectif, le vrai défi, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Ce qui n'est pas chose aisée. Moi, je l'ai dit, je le dis, je le redis, tout le temps. Quand certains nous voient en quart de finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas s'ils font ça de manière où ils ont ambitieuse, ou j'ai envie de dire, avec de l'espoir, d'un truc, voilà, d'une démarche positive, ou ils le font justement pour mettre une forme de pression, une mauvaise pression. Donc moi, l'objectif, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde. C'est ça, l'objectif. Ensuite, quand il y a des choses ici et là, battre le record d'Afrique, ce qui a été fait, battre le record du monde, c'est vrai qu'en soi, c'est énorme. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Si on fait ça, si on arrive à ce niveau-là, ça voudra dire qu'on se rapproche peut-être, on a plus de chances en étant invincible de se rapprocher de cet objectif qui est la Coupe du Monde, et en même temps, de la même manière, peut-être de se rapprocher de ce record mondial qui n'est pas notre objectif principal, mais qui est lié directement à cette qualification à la Coupe du Monde. Voilà. Non, je lui ai répondu pour Yassine, il était dans la liste élargie. Et c'est un joueur important, et c'est un joueur qu'on n'oublie pas, c'est un joueur qu'on suit, c'est un joueur qui a sûrement, sûrement encore des choses à montrer en équipe nationale. Inch'Allah. Bonjour Jamal, Sofiane Mohamed Belkber, Haya TV. Ma question concerne le temps. Est-ce que la présence de ces joueurs-là est si importante pour un match du Niger? Et ma deuxième question concerne Andy Delors, ça on arrive à la fin de... Est-ce que son avenir avec l'équipe nationale non, c'est à la fin. Conditionné? C'est à la fin. C'est à la fin. Oh, ouais, on l'a dit. On vous donnera du de A à Z pour Delors. D'accord. Mais en fait, la première question, ça aussi, c'est répondu. Ici, vous avez parlé des joueurs blessés? Je connais par exemple. Il y a Islam, il y a Blamri. J'ai répondu. Oui. Est-ce que leur présence est si importante Pour le match du Niger? Pour un match du Niger, ça veut dire match du Niger. Vous avez donné l'exemple de Real Madrid contre Sheriff. Oui. Est-ce que vous craignez vraiment cette équipe? Ah, mais vous dites tout et son contraire. Justement, Real Madrid-Sheriff, a priori, c'est une victoire haut la main du Real Madrid. Il s'avère que c'est Sheriff qui est venu battre le Real Madrid à Santiago Bernabeu. Donc, ça veut dire que... Il faut donner l'importance qu'il faut à cette équipe. C'est un match de qualification de Coupe du Monde. Il ne faut pas dire Niger comme ça. Faut pas dire Niger. Est-ce que vous la connaissez, cette équipe du Niger? Oui. Pour parler, vous la connaissez? J'ai interviewé l'entraîneur il y a quelques jours. Cavalli. Ouais. Non, mais est-ce que vous les avez vus jouer? Vous avez vu jouer? Vous en avez pensé quoi? Donnez-moi un joueur de cette équipe. Un joueur? Ouais. Regarde-moi trop, je fais de ce domaine-là, tu vas te tromper. Non, ça va être un match. Regarde, ça va être un match compliqué. Balancez pas des choses comme ça. Faut être sûr de ce qu'on raconte. Et les joueurs, c'est ces joueurs-là qui sont venus. Ils sont pas venus. On n'a pas pris 23 joueurs avec ces trois joueurs dont vous dites qui sortent. C'est vrai qu'ils sont éventuellement. Ils sont déjà en train de s'entraîner. Jamel et Islam sont déjà en train de s'entraîner. Donc, on n'a pas pris 23 et ces joueurs inclus. On en a pris 26 pour se donner le plus de chances. Il faut savoir aussi que le championnat national n'a pas repris, qu'on n'a pas de. Donc, regardez le réservoir de joueurs. Si par exemple on ne les prend pas, on prend qui? Par exemple. Pas trop de réponses. Hein. Et ça, c'est mon travail, me poser ces questions et avoir des réponses. Donc voilà, mes réponses, c'est celle-là. Se donner le maximum de joueurs, je trouve leur arrivée avec nous d'une importance presque considérable. Et on va le voir. On va voir l'importance d'un Islam, l'importance d'un Jamel sur ces deux rencontres. Peut-être un peu moins, pour être très honnête, d'espoir ou de certitude par rapport à l'arrivée de Rami. Mais il est important qu'il vienne avec nous et qu'on puisse constater. Vous savez que les équipes nationales partout dans le monde, chose que je ne fais pas depuis que je suis là, dès qu'il y a un joueur qui est blessé, il vient faire constater sa blessure. Vous savez ça. Donc quand tu viens faire constater ta blessure et qu'on constate
que c'est pas une blessure, c'est une blessure qui t'a certes pénalisé ou qui t'a empêché de jouer dans ton club, mais qui t'empêche pas de jouer une semaine plus tard dans ton équipe nationale. Parce comment on fait quand il vient constater sa blessure? Ben on le garde. Vous savez? Donc regardez, voyez les choses. Ouais, complètement. Salam alaykoum coach. Soirée blague. C'était une petite contusion, smahli. Petite contusion à la cheville, là, il s'entraînait normalement hier. Oui, bien sûr. Salam alaykoum coach. Soirée blague, canal Chorok News. سؤال أول يتعلق بوضعية محرز وموندي مع فريقهما. نشوف بلي ما يشاركوا أساسيين كثيرا. أسكو هذه الوضعية تأثر معهم عليهم في المنتخب الوطني. سؤال ثاني يتعلق بأمير سعيد. كنت قد صرحت من قبل بلي كاين كونكيرونس بزاف في ليكيب ناسيونال. كاين بولايا كاين في غولي. نشوفوا بلي بولايا ما كاش وفي غولي بليسي. نو في غولي ماش بليسي غير دارو قلتها لها. ماشي بليسي. تبعنا ما راش بليسي ماشي بليسي ما راش بليسي. وي أبخي فو ريادابتي. Okay. Tu vois, en fonction des trucs, il faut se réadapter. Mais si tu es bas, ou de, non, malgré tout ce qu'on a dit, vous, non, je vais la poser cette question, mais il okay. faut se réadapter. Est-ce que Kouna Kaoub, nous avons Saïd, est-ce que vous avez la liste? Kouna Kaoub, c'est un joueur de qualité, je le répète. C'est un joueur qui est parti au Saoudia tout de suite, et il a tout de suite été performant, il a marqué des buts, on suit ses matchs, j'ai regardé ses matchs. C'est un joueur de qualité. De dire qu'il sera au prochain stage ou qu'il ne sera pas au prochain stage, par exemple, je mentirais. Je prends des décisions en fonction de ce que j'ai prévu de faire, en fonction de. J'avais déjà répondu longuement sur lui. Faut pas me répéter toujours la même chose. La première question c'était par rapport à Issa ou Riyad. Ana la kouli hal houma mumkin ma ta'jbhomch de ma yelabouch koul sbou'. متعجبهم شي سيغ الجوار يبغي يحب يلعب كل مباراه يحب يلعبهم بصح الا تتبع مليح جوست افون كاس افريقيا 2019 رياض كان في نفس فوالا نو 2019 aujourd'hui tu as décidé d'anticiper ce qui n'est pas anticipable tu veux rentrer dans mon cerveau non 2019 t'as 17 2019 ما كانش يلعب ما كانش يلعب كل باسكو هما يلعبوا ثلاث مباريات في اسبوع مع لا تشامبيونز ليغ حنا نحبوا كجزائريين نحبوا يلعب كل تو لي ماتش صح بور بيب سي يفو لي شوز دو اي با اي با الجيريان ان دو هو رئيس في ليكيب تاعو ما راهش الا با لو ميم لا ميم لا با لا ميم بوزيشن كلا نوتر دونك لوي لو فوا كوم سا اي peut-être que si vous regardez bien et si vous analysez c'est une discussion qu'on a déjà eu. Si vous voyez qu'un Mané, on ne peut pas dire qu'il a fait la meilleure Coupe d'Afrique d'un point de vue individuel, la meilleure Coupe d'Afrique possible pour un joueur de ce talent. Encore plus pour Salah, qui est sorti quasiment au premier tour. Mais c'est qu'eux, ils jouaient trois matchs par semaine. Eux jouent tout le temps. Riyad, le fait qu'il joue un match par semaine, ce qui est l'équivalent de 80 à 85% de nos joueurs, de le reste des joueurs de l'équipe nationale, ça suffit. La plupart des joueurs de notre équipe nationale ne jouent pas la Champions League, ils ne jouent pas l'Europa League. Donc ils ont un match par semaine, ce qui est le rythme plus ou moins normal d'un match. Donc c'est vrai que lui, il a envie de jouer tous les matchs, c'est pas le cas, mais pour moi, ça suffit. Donc ça, c'est Hadja. Après, pour Issa, lui, c'est un petit peu plus... il a éprouvé un petit peu plus de difficultés. Il a joué suffisamment, il a encore joué le dernier match là, contre le Betis de Séville. Il a joué, c'est vrai qu'il ne joue pas tous les matchs. Il y a aussi les matchs de Champions League. Il n'a pas joué le dernier match de Champions League. Mais voilà, il n'est pas dans une espèce, en plus, Issa, d'un professionnalisme exemplaire. Non, je suis pas plus inquiet que ça pour ces deux joueurs. S'ils pouvaient tous être dans la même situation, hein, je signe. Salam alaikum, coach. Oui. Coach, après le match du Burkina Faso, il y avait un communiqué sur le site officiel de la Fédération algérienne la fédération, le bureau fédéral soutient Jamel Belmadi contre les attaques. Après, juste le passage de Jamel Belmadi a été supprimé. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment vous avez accueilli ce communiqué. Deuxième question, c'est sur joueur de l'équipe nationale U18, Yanis Lara, qui a reçu deux convocations de l'équipe de France et de l'équipe d'Algérie et qui a choisi finalement l'équipe d'Algérie. Un commentaire sur ce joueur. Ah bah ça c'est une très très bonne question. Ntit. Parce qu'en plus, on en a parlé entre nous. Hanan, franchement, je tire mon chapeau à ce joueur-là. Là, je tire mon chapeau. Il est. J'ai souvent cité cet exemple et personne m'a directement répondu.
ça répond toujours sur un plateau là où je ne peux pas répondre. On n'a jamais eu un joueur qui est dans une catégorie, par exemple U18 ou Espoir, en équipe de France, et qui dit je ne vais plus en équipe d'Espoir, je ne vais plus en U18, je vais en équipe d'Algérie. On n'en a jamais eu de ça. Donc ça, si on a quelqu'un qui peut me dire, s'il en connaît un, qui lève la main. Riyad Bouzoubou, il est en équipe de jeunes. Il est jeune équipe de France, il a dit ne croise mais l'équipe de France, on a l'équipe de Z. Non, attendez. Soyez sûr de ce que vous allez dire. Ici, dans mon staff, on a les gars qui ont formé Boudebouz. Ça va? Donc soyez sûr de votre truc, parce qu'on n'intervient pas comme ça. Il n'a pas quitté une équipe de France, ça s'est terminé avec l'équipe de France. Soit il ne l'appelait plus, soit il n'avait plus l'âge pour jouer avec les Espoirs, et il est venu en équipe d'Algérie. Mais il est plus en équipe. Tu peux avoir 20 ans, tu n'es plus en équipe de France. Tu n'es plus en équipe de France et l'équipe nationale t'appelle. Et l'équipe nationale d'Algérie t'appelle. Tu y vas. Moi, je ne dis pas que c'est. Mais c'est pas une démarche honnête ou la hajamliha. Hajamliha. Mais ça, de sortir, de dire. De renoncer à l'équipe de France quand on t'appelle pour l'équipe d'Algérie, je ne connais pas, moi. Il n'y en a pas. Donc pour moi ça c'est le cas unique. Ça c'est le cas unique. Et il faut le placer dans son aspect unique. Et on lui tire le chapeau. Inch'Allah, Ntmenelo, coup de toufir de ce joueur-là, que ce soit en sélection et que ce soit en club, et qu'il devienne demain un joueur, Inch'Allah, qui. Alors lui, pour le coup, il aura vraiment notre plus que notre soutien. Ou Inch'Allah, Ntmenelo, vraiment coup le khair dans son film Moustakbel. Communiquer, Allah, c'est pas important pour moi. Allah, c'est quoi le communiqué? Non, Wallah, je leur dis, Barakallahu fikoum, soutenez l'équipe nationale, dans des choses sur lesquelles on vous attend. On vous espère même. Dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On parlait de ce qu'il a dit, Bedran, les terrains, les salles, la CAF, la truc. Hennan, on vous en attend votre soutien. Après, ils sont sympas. السلام عليكم صلاح فيصل المدرب السؤال راح يكون حول عودة محمد فارس للمنتخب الوطني العودة تاعه مرتبط لكن أيضا المشكل اللي وجده جمال بلماضي في مباراة بوركينا فاسو بعد خروج رامي بن سمير. Oui, je suis très content du retour de Mohamed Fares. Il a été absent pendant un long moment dû à plusieurs choses. Il a eu un ligament croisé. Il a eu des absences, il a eu du mal à trouver peut-être ses marques. Bref, il y a un mélange, on en a parlé ensemble, il y a un mélange de, voilà, dans l'approche de l'investissement que je demande et que j'espère de tous mes joueurs en équipe nationale, peut-être une incompréhension. Alhamdoulilah, il est très très heureux de nous avoir rejoints, vraiment, vraiment très heureux. Il a que 25 ans, il a vraiment envie de. Moi, j'ai le souvenir, je lui ai dit, j'ai le souvenir d'un match en Gambie, mon premier match d'ailleurs, donc je ne l'oublierai jamais. Vous vous rappelez, on a démarré avec 2 heures de retard, avec les supporters qui étaient sur le terrain quasiment. Ça avait été un joueur dans ces conditions impossibles à jouer, avec un terrain injouable, avec une pelouse très 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 haute, chaotique le terrain, chaotique le match de toute manière. C'était le gars vraiment qui avait été, et je lui ai rappelé ça, qui avait été le plus déterminé, qui avait vraiment donné beaucoup de
beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Après, il y a eu des soucis, et c'est là, je vous dis, notamment sa grosse blessure. En tout cas, il est trop, très content d'être parmi nous. Il arrive à point nommé avec la situation un peu de Rami. De toute manière, on aura toujours besoin de joueurs de qualité. Il est dans un championnat où tout ce qui est aspect défensif, où on ne peut que apprendre, où ils excellent là-dessus, les Italiens. Donc, Inch'Allah, il peut être d'un apport non négligeable. Lina. اسمح لي كوتش الحديث عن اسم ما كانش في القائمة هذه المرة وما رحش يكون في القائمة بالك من على أسابيع أخرى الحديث عن عودة فوزي غلام لقائمة نابولي المستدعى لأنه ما لعبش اللقاء ولكن عاد من الإصابة وكان صرح سباليتي بلي مدام غلام في القائمة يعني أنه شوفية تماما من الإصابة اللي كان تعرض لها وبعدته عن الموسم الماضي الحمد لله كي رجع ديجا من الدوزيام نيجامون كروزي. Donc on l'a envoyé, on l'a suivi un petit peu dans sa rééducation, en tous les cas au début de sa rééducation, à la fin de sa rééducation, et vraiment Tmenlaolo Shifa, normalement c'est réglé, Inch'Allah, puisqu'il est de nouveau, opérationnel et il figure dans le groupe de Naples. Ben, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'essayer d'avoir du temps de jeu, et puis il sera considéré comme les autres, avant de se blesser, pour la deuxième fois, il figurait parmi toujours cette liste élargie. Il n'a jamais eu la possibilité de revenir complètement, d'enchaîner des matchs, et c'est ce qu'il a besoin de toute manière. Donc, Inch'Allah, Mnéolo, Kulto Fer. Choukha. Salam alaikum. Bouadda Abdel Hafir, Jared Talib Al-Ahdab. Coach, l'équipe nationale a 29 matchs sans défaite jusqu'à maintenant. وفي الفوتبول توجور فيها ربحة وخسارة بلاك يجي نهار وين ليكيب ناسيونال فا بيرد اسكو لو كوتش راه يخمم من دوك كومون يل فا جيري لا بيريود وين ليكيب ناسيونال تخسر فيلم دوغور افون لور علاش نمرض روحي مانيش نتمنى خسارة المنتخب اسكو على بالي على بالي اي مونكري بلوك سا اسكو لو كوتش راه يخمم كيف ici on est jamais assez Zid, اسمح لي. Est-ce que le coach Raïkhamem, comment il va gérer la période quand l'équipe nationale va perdre pour ne pas entrer dans un passage à vide? C'est ma question. Merci. Alhamdoulilah, ya Rabbi, je n'ai pas l'habitude de mettre ça en avant, mais c'est une chose, alhamdoulilah, c'est une chose quand même importante. Nous, en tant que coach, On est, notre vie est régie par ça, par les résultats, Natija. Et quand je dis notre vie, je ne dis pas notre vie professionnelle, je dis notre vie de manière générale. En tout cas pour les personnes comme moi qui sont pleinement investies. Alhamdoulilah, je pense que on a perdu une fois contre le Bénin. Donc je n'ai pas trop ce goût de la défaite en moi. Celle du Bénin a suffi à me faire beaucoup de temps. Pourvu que ça dure comme ça, on fait le nécessaire pour. Ça vient pas comme ça. Cette série d'invincibilité, comme vous dites, ça vient pas comme ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, c'est être pleinement investi 100% du temps. 100% du temps, ça, il faut le savoir. Même si on intervient sur des dates FIFA, que ce soit les matchs, que ce soit les interventions comme celle-ci. Mais nous, en fait, on est tout le temps là-dedans. C'est des sujets qu'on... 24 heures sur 24, on est dans tout ce qu'on a pu raconter là-dessus. L'état de forme des joueurs, la situation de ça. Voilà, faites attention au terrain, faire attention à ça, faire attention au déplacement, faire attention à l'adversaire. On est tout le temps là-dedans. Donc, on fait en sorte de ne pas connaître cette défaite, en tout cas le plus loin possible. Et puis, il n'y a pas besoin de se préparer pour ça. En tous les cas, la défaite a un goût amer. Donc, ce goût-là, j'ai pas envie de l'avoir avant pas mal de temps. Coach Abdraouf Boussoussou, Salam TV. J'ai deux questions. Ma première question concerne le match de Burkina Faso. Vous avez dit. J'espère que vous avez tenu compte de tout ce qu'on a dit. Oui, oui. Ça concerne la pelouse. Est-ce que vous pouvez délocaliser ou bien changer la pelouse de Tchaker si elle reste dans cet état, vers le stade Oran, s'il sera bien, lors du match amical de l'équipe nationale locale. Ma deuxième question concerne Medioub, qui a revenu à l'équipe nationale.
Qu'est-ce qui vous a motivé à le reconvoquer à l'équipe nationale, malgré qu'il ne joue pas tellement avec son club à Bordeaux? Merci. Pour la pelouse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me dit que Oran, après les péripéties qu'elle a pu connaître, cette pelouse, super pelouse, puis plus de pelouse, puis de nouveau super pelouse apparemment. Ça ne concerne pas seulement la pelouse, apparemment. Il faut une inspection de la CAF. Il y a d'autres paramètres, d'autres éléments au cahier des charges. Il n'a pas été réceptionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inspection. Ah, livré, ok. Ouais. D'accord, pardon. Donc, il est pas, il figure pas dans les... on ne peut plus jouer dessus. On ne peut plus jouer dessus. Non, apparemment, c'est pas sûr du tout. Parce qu'il y a les autres. Il y a quasi acté qu'ils ne joueront que l'équipe des locaux ne jouera pas au rang. Ils vont sûrement jouer ici à Alger, normalement. Je ne sais pas dans quel stade, Belek Boulourin. C'est Majid qui vous dira ça, mais allez, Belich. C'est quoi la deuxième question? Medjoub, je vous ai dit, il y a eu une pénurie. Il y a eu des absents de. Il y a eu la situation de Jamel, il y a eu on est très vite. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Le réservoir de joueurs n'est pas infini. Et voilà, j'aime bien moi faire participer, notamment tous ceux qui sont chargés de suivre l'activité de l'équipe nationale. On n'a pas un milliard de joueurs. Et les situations comme celle-là nous le démontrent. Il ne s'agit pas de dire, ouais, il faut ramener des joueurs. Quel joueur? On a Gamabad, hein. Ce que je connais, c'est censé le connaître. On n'a pas 1000 joueurs. Mais c'est un joueur, franchement, c'est un joueur, Abdel Jalil, c'est un joueur déjà très sérieux. C'est un joueur, bon, il a déjà joué un petit peu cette année avec Bordeaux. C'est un joueur qui vraiment, moi, j'apprécie beaucoup. Il a vraiment des qualités et il pourrait jouer dans n'importe, franchement... dans pas mal d'autres équipes, peut-être d'un autre calibre de Bordeaux, mais aujourd'hui, quand on voit Bordeaux dans la situation dans laquelle ils sont, j'ai l'impression qu'ils peuvent rendre service. Ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils font actuellement. Je crois qu'ils sont derniers. Ils sont parmi les derniers du classement. Donc, à la peine en tous les cas. Donc, c'est un joueur qui aura son mot à dire dans l'avenir. Inch'Allah. Bonjour à tous. كوتش جمال عندنا سؤال سؤال حول سعيد بن رحمة. سعيد بن رحمة يقدم في مستوى كبير في الدوري الإنجليزي وهو يلعب كصانع لعب. احنا نعرفه بلي منتخب الجزائري ما يعتمدش يعني على صانع لعب يعني محدد. هل الجمال عندك حل لتوظيف سعيد بن رحمة لتقديم l'idée le marjoua du منتخب الجزائري ou le خط الهجومي. Saïd, comme je dis, il est pas satisfait. Marach Farhan à l'hada ta'o, toutes les situations qu'il a eu de jouer où il est pas satisfait de ses performances, on n'est pas satisfait de ses performances ou Koulnes, tous les gens qui suivent, il y a des choses qui sont évidentes quand on voit par exemple si on le compare à Youssef Bleli, c'est là où on le compare parce que c'est cette position dans laquelle il joue. On voit les performances de trucs, ne serait-ce que par les statistiques, but, pas décisif. Les joueurs offensifs, c'est comme ça que ça doit être la plupart du temps jugé en grande partie sur leurs statistiques. Donc lui, il n'en est pas content, il n'en est pas satisfait. Il travaille pour changer les choses. Alors jouer comme deuxième attaquant ou comme 9,5, pas meneur de jeu, je dirais pas ça, mais derrière l'attaquant. C'est une option qu'il a dans son club. Il ne joue pas tout le temps comme ça. Il faut suivre les matchs en entier. Il ne joue pas tout le temps comme ça. Et si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il vous dit qu'il préfère ce poste à son poste sur le flanc gauche. Je suis même quasi certain que c'est sur le flanc gauche où c'est la position qu'il préfère. C'est la saison où il a été le plus prolifique avec son club de Brentford. Là, le coach le met des fois là. Dans le match, ils changent de position avec, je ne sais plus comment ça s'appelle le joueur, c'est un joueur sud-américain. Non, pas l'attaquant, l'autre, le joueur sur le côté. Voilà.
donc c'est le joueur espagnol, donc il change beaucoup de position. Où il faut regarder les matchs en entier. Il faut regarder les matchs en entier, vous verrez des choses. Mais en tous les cas, on a un attaqué parce qu'on sait qu'il a des qualités. Et il doit se lâcher, il doit montrer toutes ses qualités et rentrer dans les statistiques. Il le sait, hein, il est dans un championnat où c'est 100% statistique. Donc il sait qu'il doit être performant comme ça. En équipe nationale, pareil. Et puis voilà, faire en sorte d'être un élément indispensable, un élément très très important de l'équipe, comme l'est par exemple Youssef Bleyli. C'est les statistiques qui parlent. Après, il faut savoir que il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des joueurs qui performent peut-être en club. Et encore, je vous dis, faut voir les matchs dans son ensemble. Hein. Faut pas une action comme ça. Il y a des joueurs qui performent en club. Il y a des joueurs qui performent en club et en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent qu'en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent en club et qui ne performent pas en équipe nationale. Et vice-versa. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Cette magie-là, je ne l'explique pas, moi. Des fois, Youssef Bleyli, il le sait très bien. Je ne vais pas dire, c'est pas un secret de polichinelle. Vous le voyez en club, je le vois en club comme je vois tous les joueurs. Je suis tout leur match. C'est le jour et la nuit avec ce qu'ils vous donnent en équipe nationale. D'ailleurs, des fois, les présidents de club, on parlait clairement, je vous donne cette petite info, ces présidents de club m'appellent et me disent pourquoi il est comme ça chez nous et pourquoi il est comme ça chez toi. Je lui dis, moi, je sais pas. C'est chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière de gérer les joueurs, de peut-être de les mettre dans les meilleures dispositions, peut-être de l'environnement qui les entoure, du reste de l'équipe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe nationale. Bismillah, salam alaikum. Abdelkader Ben Saïd, l'Ida al-Jazairi, al-Qanat l'Oula. Seyed Jamal, Belmadi, Moukin, Taou, Toutelabou, Moubarat, ou Moubartin, Koul, Arthle, Moumamoun, Tachab, Wahed, Martin, Fidarf, Ousbo. Une double confrontation. Oui. Anda Tahdira, Akit Khas, Anda Moubaya Tahasa. Ben Sbali, comme Seyed Jamal, Belmadi, ou Soual, ou Jatulik, Belarabia, Ben Ajla, Moustama, Al-Karim, l'Qanat l'Ida, Yabli, Natera, Belarabia. كيف يتم التحضير لهذه المباراة منتخب النيجر ذهابا وإيابا وبالنسبة للسيد عبد القادر بدران اللي نتمنى له أيضا التوفيق من ناحية المعنوية كمجموعة لما التقيته خاصة بعد التعادل اللي كان أمام بوركينا فاسو ونعرف كل لاعب ما يحبش يخسر مباراة انتما على أبواب إن شاء الله ما خسرناش لا قلت بعد التعادل قلت بعد التعادل تعودنا نفوزه لهذا قلنا الحمد لله يا رب إن شاء الله إن شاء الله توصل نتائج إيجابية. عبد القادر بدران كلاعبين مع بعضكم كيف تحدثتوا على المباراتين هذا الأسبوع أمام المنتخب النيجر وكيف هي معنويات كل لاعبين؟ شكرا جزيلا بالتوفيق. ما خسرناش ديجا الحمد لله وكي ولينا نزعفوا على خسارة على نيل معناتها انت رانا في طريق صحيح ان شاء الله بون كان الكوتش هضر بعد الماتش جوست ابري الماتش هضر موتيفاسيون اي قالنا علاش هكا كان كنا قادرين نكونوا خير بيان سور كي تشوف لي دي زيكيب انت الجزائري ولا بوركينا فاسو ما كانوش خير منا في ماتش كامل ما كانت عندهم بيريود صغيره احنا كنا ديجا بريمير ميتو قادرين نربحو ب 2 3 بيوت كانوا نت دي زوكازيون نت اون تو لي كام ما نهضرش انا كوتش هضر ديجا ماتش بوركينا فاسو مي احنا دي جوار كيما تعرف بروفيسيونيل ما لو فات لي ما خسرناش احنا ديجا على بالنا بلي كاين دي ماتش مازالو كاين دي بوين مازالو يتلعبوا ما نقدروش لاشيو كيما الكوتش تاعنا كان حضر ما لازمش لاشي وما لازمش نقولوا خلاص سي لا فان دو موند انا كملنا على بالنا باللي تلاقينا بعد الماتش وفي الستاج هذا وعادي لومبيونس اللي كانت من قبل هي التحضيرات وكونسونطراسيون تاع الماتش عاديه ما نقولكش قل 100% الجوار كامل جاوا باش ان شاء الله يحقوا لي تروا بوين هادو اللي برا الاكستيريور ان شاء الله باش رانا واجدين باش ان شاء الله نحقوهم لي سي بوين هادو وبيان سور
بيان سي الكوتش راه مورانا هو اللي راهو هو اللي راهو يمد في لي كونسين يمد في يشوف لي زي في لي زي في يشوف ليكيب اللي راح نلعبوا لها كيفاش واش عندهم واش ما عندهمش هو اللي راح يعطينا لي زاتو ان شاء الله احنا راح نطبقوهم وراح نخدموا نديروا بوجي نخدموا بوجي يقولوا هو وان شاء الله تكون ريزلت بوزيتيف ما احنا مورالمون الحمد لله ما عندناش مشكل معناتها لو فات قلت لك لو فات لي ولينا نزعفوا انا ديجا شفت باللي كانت هضره كبيره كيفاش ماتش نيل صافي بليزير احنا نتمنى ان شاء الله ما نخسروش كامل سي سا الفوتبول تك ما تعرف تكون فيه حتكون فيه بتي باساج هكا يكون بالك فيد ولا فاب ان شاء الله ما يطولش ان شاء الله يكون في لي ماتش الجايين ان شاء الله اذا طحنا في هذا تكون بيريود صغيره وجوز ونربحوا لي ماتش كامل ان شاء الله على هذو المباراتين اكيد عندنا التفكير فيهم والحسابات ما نجيبش ندخل في لي ديتاي مي سي سور كون برون كونسيديراسيون هذو لي دو ماتش رابروشي كونتر لا cette double confrontation contre le même adversaire à la coulée hal huma tani ils vont devoir s'organiser en conséquence je dis juste par exemple un élément qui n'est pas d'ordre technico-tactique juste sur l'aspect de la température et du qui réduit un petit peu le temps de récupération. C'est pas la même température ici et la température à Niamey à 17h. On est de l'ordre des plus de 35 degrés. Voilà. On vient de dire 40 degrés. Donc chauffe-eau, c'est clair qu'il faut prendre ça en considération. Mais en même temps, je vous dis, c'est donc on doit prendre ça en considération, mais en même temps, lazem narkez ala al mubara al loula. Je vois les deux matchs dans son ensemble, ok. Mais il y a quand même une priorité, il y a ce premier match. On fait ce premier match on, contre une équipe, je vous dis, qui est Meshisehla. Si nous, on arrive et on le doit, battre cette équipe avec un score large, c'est qu'on aura fait le nécessaire. Parce que je vous dis que c'est une équipe qui est compliquée un petit peu à manœuvrer. Et voilà, ça sera à nous de nous faciliter la tâche et de mettre tous les ingrédients pour gagner ce match-là. Et, à partir de là, on pourra éventuellement gérer déjà cette deuxième rencontre par du changement et par tout ce que vous voulez. Je reste toujours un peu vaste, un peu général. Je préfère parler en détail après les matchs que avant les matchs. Voilà. السلام عليكم ايت عثمان كريم تلفزيون الجزائري عندي سؤالين سؤال المدرب الوطني وسؤال البدران نبدا بدران طبعا بدران الضغط كل منتخب لما يلعب مع الجزائر يلعب مباراه العمر وحاب يفوز هذه العقليه الموجوده عند المنتخبات الافريقيه تشكل عليكم ضغط ولا راهي حافز بالنسبه للاعبين خاصه انه وصلنا كان الجمهور تعادل يشوفوا نوعا ما تعاطف بالنسبه للمنتخب الوطني تكلمنا عن السلبيات ولكن ايضا عشنا اسبوع تاع اصابات اللاعبين في المقابل كان في افراح ساره بالنسبه للمهاجمين تعرف بالنسبه للمهاجمين لما يسجلوا الاهداف هي ثقه بالنسبه لهم شفنا عوده بنجاح يسجل بالليل يسجل بعد فتره صعبه لبدايه نادي طبعا وهدف عالمي هذه الاشياء من دون شك تحفز قبل أسبوع من بداية التربص بالنسبة للمنتخب الجزائري خاصة أننا بحاجة إلى فوز كما قلت عريض يريحنا فيه قبل المباراة ومباراة العودة للمنتخب النيجيري كوتش. الهدف اللي تعمر أيضا سيتو. الهدف اللي سجلوا نوزاتاكون أكيد مهم جدا parce que vous savez très bien que les attaquants ils tournent à la confiance. Et qu'il était important pour eux, ils marquent des buts. Je vous ai dit, expliqué, les joueurs offensifs, c'est des statistiques. Le reste, c'est du. Bien sûr qu'il y a un travail à faire, bien sûr qu'il y a un travail tactique. Chacun a des directives tactiques et des choses à faire, en plus que de marquer des buts et de faire des passes décisives. Donc, Houma, quand ils sont dans ces derniers matchs de Youssef, c'est 2-0, 2 buts, avec, comme vous avez dit, Hadef Alami, où ils montrent. Où il montre à chaque fois ce qu'il est capable de faire et son talent qui est propre à lui.
Bardad qui a enchaîné les buts. C'est très important, c'est très important. Et moi, ce que je vois, je vois des joueurs concernés, des joueurs qui ont envie de faire, des joueurs qui ont envie de mieux faire. Bardad sait que sur cette deuxième, sur sa rentrée, il a eu une situation, notamment une vraie situation. Je pense que vous vous rappelez tous où le ballon lui touche le truc alors qu'il partait tout seul au but. Il sait qu'il peut largement mieux faire que ça. Et il a envie, je sais qu'il a envie de quelque part de se racheter et de marquer des buts tout simplement. Donc Hadja, c'est de bon augure, inchallah, pour ce match. كيف ديجا هضرنا من قبل ودي كامل لي جوار بالك تقصيهم يقول لك حضروا كيف المقابلات سي سور كاين دي بي تحب تربح هنا تحب تتبادر الركور على تاع 29 ماتش ان توكا حنا نحضروا 100% باش نفوزوا بالمقابله ما يهمناش ليدي ولا التخمام ولا التفكير تاع المنتخبات الاخرى حنا يهمنا انه المنتخب يربح ديجا باش تلعب منتخب وطني جزائري لازمك تكون عندك هذيك الروح عندك هذيك التخم ديجا ليسبريت غانيون لازم يكون كاين حنا ما عندناش مشكل اي فريق نواجهوه اي منتخب نواجهوه راح يكون تفكيرنا واحد وهدف تاعنا واحد اللي هو الفوز سي جمال بلمادي dernière courte très courte elle vous concerne directement Vous avez pris l'équipe nationale, elle était au fond du puits. Quand je dis ça, je parle en termes de résultats, on s'entend bien, hein, parce que on peut avoir une autre interprétation. Vous l'avez emmenée très très haut. Et quand on regarde les sélections à travers le monde, dans le travail, c'est dans la continuité. Je ne vais pas citer l'Allemagne, on peut citer, il y a eu 10 sélectionneurs peut-être, chez les Allemands sur les 60 dernières années, ou sur les 80 ans, la France avec Deschamps qui est resté longtemps, et on peut citer comme ça. Je vous pose la question, le temps passe très vite. On est à pratiquement un an de la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un début de repartir ensemble, de continuer, de renouvellement de contrat ? Est-ce que ça a été discuté ou pas ? Concrètement, sur l'aspect contractuel, ça n'a pas été discuté et vaut mieux pas que ça ne l'ait parce que c'est la dernière chose. Tout ce qui est contrat, c'est pas le contrat en tout cas administratif. Le contrat administratif, c'est pas à la limite le plus important. Ça servirait à rien de signer un contrat si demain, ne pas se qualifier à une Coupe du Monde. Pour moi, ça serait un gros échec. Un gros échec veut dire prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est pas un signe de confiance également ? De qui ? D'anticiper. Non, la fédération envers l'entraîneur national pour dire que nous avons une pleine confiance et quel que soit le résultat, vous êtes là. Je vous pose la question. Ouais. Non, mais j'ai pas besoin. Au-delà. Très sincèrement, j'ai pas besoin de. Moi, la confiance que j'ai besoin, c'est la confiance de mes joueurs. C'est là que j'ai besoin. La confiance de. Je travaille avec des gens, je respecte chacun des. Je vous dis, si chacun est performant dans ses prérogatives et puis dans son secteur d'activité ou dans le poste dans lequel il occupe, ça sera très bien. Après, moi je vous dis aujourd'hui, ce serait malvenu pour eux, pour moi, de parler de contrat, même si voilà, certains pourraient dire on s'engage sur la durée, peu importe le résultat qu'il y a, qualification Coupe du Monde, pas qualification Coupe du Monde. Une fédération pourrait dire ça. Aujourd'hui, moi, c'est pas peu importe le résultat. Moi, c'est il faut absolument se qualifier à cette Coupe du Monde, sinon tout est remis. Il y aura une vraie réflexion. Et de toute manière, c'est bien ce que vous avez parlé parce que vous avez parlé de stabilité. Ok, vous avez parlé de stabilité. Je fais une petite parenthèse. C'était pas prévu que je sorte ça, mais je vous dis un truc qui me vient du cœur. Donc ça va donner ce que ça va donner. En tout cas, c'est une réflexion que j'ai. Et un feeling que j'ai, un sentiment que j'ai, on est dans une époque où ce mot-là est presque clochardisé. Stabilité. On est dans une époque aujourd'hui où tout doit disparaître rapidement, où tout doit être éphémère, tout doit être next. On doit passer à la chose. J'entends ici et là et avec beaucoup d'écho.
quand même, parce que je suis quand même, même si on ne m'influence pas facilement, mais je suis quand même à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qu'on entend, de tout ce qui concerne l'équipe nationale. Mais on est beaucoup, pour rester dans ce domaine de l'équipe nationale, mais l'époque veut qu'on est dans le next, dans, c'est quoi les nouveaux joueurs? J'entends souvent, des fois chez vous, c'est quoi le nouveau joueur? C'est qui le nouveau joueur? Mais on dirait que déjà on a un réservoir d'un milliard de joueurs, et on dirait qu'il n'y a pas cette notion de, justement, de stabilité de groupe. Même si à l'intérieur de ça, vous voyez bien quand même, il n'y a que les aveugles qui ne le voient pas, ou ceux qui ne veulent pas voir intentionnellement, volontairement. Vous voyez bien quand même qu'on est dans une remise en question des joueurs. Mais si, par exemple, je ne sais pas, je me suis un petit peu dispersé, mais ça va dans le sens de la question que tu poses. Si, par exemple, tel joueur est performant et il veut pas lâcher le morceau, il veut dire, non, toi, tu as 29 ans, maintenant c'est fini, il faut que je ramène un joueur de 20 ans. C'est pas comme ça, le football. Donc à 29 ans, on est mort. Quand vous allez voir des équipes nationales, certaines équipes nationales de haut niveau, Belgique, numéro 1 mondial, vous avez des joueurs de 37 ans, ils ont tous plus de... Nous, on a 14 joueurs, on est peut-être, il faudrait aller dans les statistiques, hein, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je le sais juste comme ça, peut-être une des équipes, un des groupes les plus jeunes d'Afrique. Je peux vous citer des joueurs, je sais pas moi, Attal, Boudaoui, Ben Sebaini, 25 ans, Zorgan, je m'arrêterai pas. Saïd. Après, on a Riyad Mahrez, 29 ans. On a Issa Mendy, 29 ans. On a Bardad Youssef, 29 ans, 30 ans. Et on a Islem, 33 ans. On a Raïs, 33 ans. Voilà, ceux-là qui dépassent. Hein ? Ferolik, 29, 30 ans, 31 ans, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit ? Aller à la retraite ? Et on vient qu'avec une équipe de U19 ? À un moment donné, il n'y a que chez nous qu'on a ce genre de calcul. On sait pas si c'est fait de manière consciencieuse, c'est fait de manière avec des statistiques ou juste être. Donc ça peut lasser un petit peu. Ça n'influence pas, évidemment, ça n'influencera jamais chez moi. Je pense pas que c'est sous caractère on peut facilement influencer, mais ça peut lasser dans cette histoire de moi stabilité évidemment positive. On n'est pas dans la stabilité. Le bateau coule, on dit non, on reste stable. Non, c'est toi, tu es là, tu évolues, tu fais ce que tu as annoncé, ce que tu as dit au début, Mahamar, on est là, série, tout ce que tu veux, tu étais là, je suis arrivé, j'aime pas parler comme ça, très sincèrement, j'aime pas parler comme ça, je suis gêné, mais je suis obligé de répondre avec des chiffres. C'est des faits, hein. Nous sommes arrivés en juillet 2018, on était quasiment 70e. Classement mondial. On était 12e classement CAF. 12e classement CAF. Qui sont les 11 équipes qui sont devant nous? Aujourd'hui, on est, après 3 ans, on est 3e classement CAF. On ne peut pas faire. Il y a une compétition comme ça, il y a des matchs invaincus, et on continue à dire pourquoi lui et pas lui, pourquoi lui et pas lui, pourquoi un Tahagar. Donc on arrive à un niveau trop faible, et je me dis que voilà, puisqu'on est dans cette dynamique là de next, un nouveau joueur, nouvel entraîneur, de truc, j'ai envie de dire balak tawalna alaykoum, on vous dit semhouna, ou voilà, on a encore un petit défi, un petit truc qu'on va le faire, ouais. Et voilà, après, chez certains, en tout cas certains. Vous n'êtes pas dans cette optique? Non, c'est un constat de fait. C'est un constat de fait. Je dis, c'est vrai, peut-être que cette nouvelle manière de réfléchir où tout doit disparaître, où anti-stabilité, positif, négatif, tout doit être remis en question, les entraîneurs, les joueurs, les salles, les arrêts. Donc c'est un constat. Je me dis, Belek, c'est vrai, c'est peut-être que tu t'es trop installé, ça fait trop longtemps, 3 ans, c'est pas habituel. Voilà, donc je me dis peut-être qu'il faut retourner dans les vieilles habitudes à 5 entraîneurs par an. Mais peut-être que ça manque à certains. Certains peut-être. Me
Voilà. Ah si, c'est le cas. Non, par exemple, mais changer un groupe, ça veut dire quoi? Il y a des éléments qui arrivent. Changer pour changer, faut, je veux dire, les joueurs, quand ils sont performants, tu l'enlèves pour quelle raison tu l'enlèves? Je ne peux pas payer pour le passé, moi. Non, mais non, c'est ça. C'est là où je veux mettre l'accent. C'est pas prévu tout ça. Mamar, t'as appuyé sur le mauvais bouton. C'était fini normalement. La conférence était finie. Et bon, avant de parler de Delors, si ça un truc. Mais c'est pas tous les Algériens. Et c'est même une minorité d'Algériens. C'est-à-dire que tous ceux qui ont la possibilité d'avoir un minbar, qui sont dans une émission télé, par exemple, ou qui sont maintenant, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les nouveaux, ceux qui ont trop l'habitude de voir le football à travers les jeux vidéo dans le monde virtuel, et qui pensent que comme ça, ils ont une connaissance, parce qu'ils jouent à Football Manager, ou je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai rien à voir là-dedans, je ne connais pas, mais et ils pensent qu'ils ont une connaissance. Donc ils sont là, ils envoient des vidéos, ils envoient des trucs, c'est la presse parallèle dont je parlais, qui aujourd'hui a une petite influence sur certains, voilà, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je suis absent de tout ça, à la cool et hell, on m'a dit que j'avais des pages Instagram, des pages Facebook. Hadi, ma page Facebook. Moi, je suis, oui, book et stylo. Voilà, je suis de cette génération, je suis de la old school. J'ai ni page Facebook, ni page Instagram. C'était la petite parenthèse au cas où les gens se font duper. Donc, on est dans cette époque-là, malheureusement, et on s'exprime au nom les Algériens, tu es représentant de qui? Qui t'a dit que le Jomori, tu as été faire un sondage sur 45 millions d'Algériens, toi? Ben, tu dis, Jomori, il veut voir son équipe performer, donner le maximum, truquer. Il n'a pas envie de les diaillettes, ce qu'on va sortir là, ce qu'on va sortir. Il y a beaucoup de, vous avez parlé de gens, de ce sujet-là, par exemple. Ouais, c'est un sujet, c'est une question, c'est une vraie question, valable. On m'a parlé de Yassine Brahimi. C'est qui m'a parlé de Yassine Brahimi? C'est vous qui m'avez parlé de, parce que c'est un joueur qui a donné à cette équipe nationale, qui est un joueur qui est important, qui est un joueur qui est toujours dans les listes élargies. Donc c'est un joueur qui, voilà, qui lui aussi était blessé, qui était là, qui n'était pas dans sa meilleure forme. Mais il est là, s'il est dans la liste élargie, ça veut dire qu'on compte sur lui. Donc on parle de Roulem, on parle de joueurs qui ont vraiment fait des Coupes du Monde, qui sont là sur des années, qui sont là sur des trucs. Cela, on veut minimiser, on fait des émissions télé, on fait des trucs sur un joueur. On va vous répondre, qu'est-ce que vous allez dire après? Qu'est-ce que ces gens-là qui se sont avancés comme des malades, qui ont dit des choses, qui ont fait des trucs jusqu'à dire des mots ou insinuer des choses, le coach peut-être il n'est pas juste, le coach Haggar, le coach, et peut-être le coach il voit le football d'une autre manière. Donc ça, même pas, après tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on vient soi-disant de faire, on n'a même pas ce crédit de pouvoir faire un autre choix. Vous êtes venu avant la Coupe d'Afrique 2019, vous avez critiqué par exemple très largement, de manière des fois dure certains joueurs. Il y a eu ce qu'il y a eu. À un moment donné, il faut acter les choses. Ah bon, maintenant, on va faire attention. Maintenant, on va peut-être lui donner ce crédit-là. Non. Amnésique, vous oubliez et vous continuez. Et là, une fois de plus, voilà, on va vous parler d'un joueur. Ceux qui ont parlé, ceux qui ont truqué, ceux qui ont encore critiqué. C'est le nouveau mot. Comment on dit critique en arabe? Hein? Ça, c'est enlever. Enlève-moi tous les droits, mais ne m'enlève pas, Hadil, ce droit à la critique. Et là, je critique, je suis un. Au Hakan Nurgud Farhan le soir, j'ai critiqué aujourd'hui, c'est bien, super. Donc, ouais, il peut critiquer que derrière l'écran, il ne peut pas critiquer le reste autour de lui. Critiquer le coach, les joueurs, bon, ça, c'est facile. Bon, mais Ali, Hadil, c'est à la Koulihal, ils sont contents là-dedans, c'est la démocratie, ça, ok, c'est la démocratie. Donc tout ça, ça répond un peu à ta question, ça fatigue un petit peu. Donc je dis, on va faire en sorte de bien terminer, de bien faire les choses. Une Coupe du Monde, parce que moi en tant qu'entraîneur, j'ai jamais joué de Coupe du Monde. En tant que joueur, j'ai jamais joué de Coupe du Monde. Et j'ai envie de connaître cet événement planétaire qui est le rêve de tout enfant quand il commence à jouer au foot. On pense tout de suite à la Coupe du Monde, on ne pense pas à autre chose. Voilà, je pense que j'ai été. Ah non, j'étais clair. Ouais. J'étais. Réflexion de quoi? Ah non, je fais la réflexion de la Coupe du Monde. Uniquement, voilà. C'est bon? C'est bon. Salam alaikum. On a parlé pour rien, Allah.
Ok. Non, non, non. Donc c'est quoi? Il y a un programme. Ce que j'en pense, très rapidement, j'ai pas pris le temps de beaucoup penser à ça, mais à première vue comme ça, à première vue, après je peux changer d'avis si j'y réfléchis un peu plus, mais à première vue, ça, j'ai l'impression que ça perdrait son goût de rareté, de choses exceptionnelles, un peu comme les Jeux Olympiques, un peu tout ça. Je pense pas que ça soit une bonne chose. Après, pour les joueurs, j'en ai parlé rapidement à Riyad, il a dit moi s'ils peuvent jouer tous les 6 mois la Coupe du Monde, c'est serait bien. Donc voilà, moi je vois ça, j'ai l'habitude de voir. On attend, on a la Coupe du Monde, celui qui la gagne, il profite pendant ces 4 ans. On attend la prochaine, c'est dur pour y aller, c'est magnifique d'y participer. Voilà, faut garder cet aspect-là là, d'un petit peu de rareté un petit peu. Voilà. Après, donc c'est quoi la question par rapport à Andy Delors, clairement? Sa non-sélection. Ok. Qui ont payé? Qui ont quoi? Qui se sont révélés? Non, pas révélés, on le connaît. Qui ont performé sur le mois de septembre? Ok. Donc. Ouais. Non, mais on va dire. Moi, je ne parle pas de la presse française. Je parle de la question, c'est pourquoi il n'a pas été convoqué. Ouais, alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous faire les questions et les réponses, allez, vous avez répondu. La question, c'est pourquoi Delors? La presse française, elle a dit. Ok, mais voilà, le bel effet. Avant même que tu truques, je savais ce que tu voulais dire. Non, mais il faut que la presse française vous dise ça pour peut-être un peu vous calmer, calmer les ardeurs, en tout cas de beaucoup d'intervenants. Ceux qui sont pas concernés, sont pas concernés. Mais il y en a qui sont concernés là-dedans, qui viennent et qui sont sur le plateau. Non, blablabla, il aurait dû dire. Et Hadro, blé ma'louma. Quelle France a tâte comme ma'loumat? Vous avez reculé un petit peu. C'est malheureux. C'est-à-dire que vous, votre coach national, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça vous suffit pas si vous faites. Vous avez le droit, je vous dis. On se pose la question, Andy Delors, pourquoi il est pas là? C'est un joueur important de l'équipe nationale, oui. C'est un joueur qui performe dans son club, donc qui est algérien, qui peut jouer, etc. Oui. On attend la conférence de presse, on lui pose la question. Pas besoin de faire 1000 plateaux sur lui, pas besoin de trop parler sur lui, pas besoin de déjà tirer des enseignements avant même d'avoir posé la question. Ça, c'est tout ça qui fatigue les gens. Voilà, tout ça qui fatigue les gens. Et influencer et voilà, donner la mauvaise information. Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous devez imaginer que j'ai mes joueurs régulièrement et quotidiennement. C'est pas tout, c'est pas les 25 ou les 50 ou les 40 ou les 30 de la liste élargie. Koulioum. Chacun son moment, chacun son truc, en fonction des différents événements. Lui, il est blessé, lui, il joue moins, lui, il fait truc. Donc, on est régulièrement en contact. Il y a... on va commencer par le commencement. Bon, il y a quelques temps... il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que, pas de presse ou de trucs, hein, plutôt de gens du football même, des acteurs. Arrêtez 2 secondes. C'est qui fait ce bruit-là avec le téléphone? Qu'on me dit voilà, que voilà, faites attention, coach. On dit au moment de la signature à Nice. Ce qu'a déclaré la presse française là, régulièrement, nouvellement, à savoir, il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a un mois. Elle m'a ébranlé un petit peu, mais s'est dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses. Donc j'ai dit, wait and see, on attend et on verra. Maintenant la CAN, ça ne sert à rien d'aller gratter. Malgré que c'était quelqu'un, ça suffit à m'interpeller. Il s'avère que donc il était comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la CAN 2019, avant la CAN 2019, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid,
où je vous avais dit, mais ça avait fait une polémique, il y a eu deux formes de réaction en fonction de cette date FIFA, quand la Fédération française, dans un premier temps, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue. Donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se démener. Et je vous avais parlé un peu du cas de Islem, et de même Haris Belkebla. Et je voyais que Islem se bagarrait. J'avais deux réactions. Elles étaient claires. Un, le club ne veut pas, c'est fini. L'autre, ça se bat avec Ola, ça se bat avec Juninho, ça se bat là. Haris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité. Il n'y avait pas que Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, la Koulihel, pareil. Ils avaient très très vite accepté l'idée du truc. Cinq jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier et impose au club de libérer les joueurs. À ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres. L'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial, celui qui se rate là-dessus. On a déjà eu des gros soucis dans le passé. Vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc et presque ils venaient à contre-cœur. Vous les avez eus, vous les avez souvent nommés, vous en avez souvent fait des histoires. Donc on veut plus revivre ça. Et pour moi, c'est inadmissible de revivre ça. On vit en équipe nationale avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et tout ça. Et c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur pour pouvoir après performer, pour pouvoir s'identifier réellement à notre équipe nationale, donc à notre pays. Ce n'était pas le cas à cette époque-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu une discussion très claire avec lui, très très claire avec lui, où je lui ai fait part de mes reproches. Il n'a pas eu de réponse à ça, rien dit, et il est revenu en sélection. Ça. Donc, il a fauté, il a truqué, mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Je veux juste citer quelque chose, je les ai notés parce que c'était important, parce qu'il me semblait qu'il y avait, en termes de statistiques, parce que certains ont l'impression, diffusent l'idée que le gars n'a pas été utilisé. Donc, dernière date FIFA, il est convoqué. Il se blesse en venant ici à Sidi Moussa, lors de nos trois matchs. J'arrive doucement. Voilà. La Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Il se blesse dès le deuxième jour d'entraînement, il rentre. Mois de mars, je viens de vous l'expliquer, c'est la date du Covid. Mars avant. Juste avant la date FIFA, c'est novembre 2020. Titulaire contre le Zimbabwe. On avait deux matchs. Titulaire contre la date FIFA d'avant, octobre 2020. Titulaire contre le Nigeria. On avait Nigeria-Messi, titulaire contre le Nigeria. La date d'avant, c'est novembre 2019. Titulaire contre le Botswana. On avait deux rencontres. La date d'avant, c'était octobre 2019. Colombie-Congo, blessé. La date d'avant, c'est la CAN. Elle fait un Mounana maintenant. Parler trop vite, c'est pas bien. Le joueur était important. Le joueur a eu le temps de jeu. A eu largement son temps de jeu quand il était disponible. Deux fois blessé, une fois l'épisode du Covid. Ça, c'est pour ceux qui disent Haggar. Donc maintenant, on va passer à la chose et on va terminer là-dessus. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, ne m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant ce genre de discussion, j'en ai un million depuis ma prise de fonction, jamais vous aurez les tenants et les aboutissants d'une discussion privée avec un joueur. Mais là, ça a dépassé le cadre du privé. Il ne s'agit pas de Jamel Belmadi, il s'agit de la sélection nationale, donc du pays. Ça fait tellement de remous et tellement tout le monde en parle que je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Parce que normalement, il devrait aller vous dire ça à vous, même pas à moi. Moi, il me dit « je ne suis plus sélectionnable », par exemple. Ça me suffit. Khalas, débarrasse maintenant avec le reste du monde. Les instances, la fédération, moi je reste sur le domaine sportif. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club, et là j'ouvre les guillemets, privilégie son club, parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière, parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Guiri. C'est j'ouvre les guillemets, hein. C'est lui qui parle maintenant. Que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant un an.
vous vous en parlerez entre vous après. Évidemment, et pas de Cannes. Voilà. Donc ce qui avait été, ce qui m'avait été dit un mois plus tôt, a été confirmé par le joueur lui-même. Il était dans cette liste, comme toutes les listes depuis le fait qu'il soit algérien. De facto, évidemment, plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec après un an, avec peut-être avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais ouais, les choses sont évidentes pour nous, pour moi en tous les cas. Qu'ai-je envie de dire? Les joueurs, suite à ça, évidemment, on a eu une discussion. Ce genre de choses ne s'envoie pas par message, ce que je lui ai signalé. Et je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux. Donc ça ne sert à rien, de mettre ça sur la place publique. Je vous dis juste ça pour répondre et enlever toute interrogation ou tout doute quant à ma, entre guillemets, je ne sais pas, comment dire ça, ma droiture quant à sur ma fonction et sur ma manière de travailler. Après cette discussion houleuse où je lui dis c'est pas comme ça qu'on fait, t'as affaire à une nation, t'as affaire à un pays, t'as affaire à un truc qui t'a ouvert les bras, blablabla. J'ai blâmé son club. Son directeur sportif m'a appelé et on a eu une discussion. Je lui ai confirmé les dires que j'avais sur Andy et sur l'éthique du club. Ils sont tout à fait tranquilles sur le fait que s'ils pouvaient, les joueurs africains qui sont déjà en club, ils en ont d'autres. Non, ils souhaiteraient, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent, on souhaiterait que vous n'avez pas fait la CAN. C'est leur droit. Tant que c'est oral, c'est leur droit. C'est peut-être pas éthique. C'est peut-être un manque de considération des différents pays et des différentes sélections nationales et de l'Afrique. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Dire. Après, on n'est pas obligé de l'accepter. Donc ça, ils le disent à des joueurs qui sont déjà en club, avec des internationaux qu'on a déjà. Et c'est pas que... c'est le directeur sportif qui parle. On a dit ça à tous nos internationaux africains. On leur dit, voilà, on souhaiterait que vous ne faites pas la CAN. Mais si le joueur a envie de l'aider, il y va. Alors imaginez le joueur qui n'a pas encore signé. Les joueurs qui sont déjà là, on leur dit de ne pas faire la CAN. Imaginez le joueur qui n'a pas encore signé et qui arrive pour signer. Un jeune international africain. Salam alaikum. Khlas. Quand tu as des mots,